Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de ce mois de septembre. Oui, nous sommes déjà fin septembre. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette guidance, n'est-ce pas? Et avant de commencer, ça sera la petite philosophie du matin. Et puis après, je terminerai, n'est-ce pas, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle, n'est-ce pas, qui est un guide vraiment précieux, hein, qui est vraiment accessible à toutes et tous. Et cet oracle, il nous encourage à nous connecter, évidemment, à notre intuition et à écouter cette petite voix afin de développer eh bien nos facultés intuitives, et il nous invite aussi à puiser dans notre sagesse intérieure, et il nous rappelle que chaque être humain détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut nous guider vers des décisions éclairées. Alors, cet oracle, les cartes, certaines de ces cartes, eh bien, pourront nous offrir des réponses claires et directes. Par contre, d'autres cartes nous demanderont de nous plonger dans notre être profond, pour trouver les réponses que nous cherchons. Encore une fois, c'est un magnifique oracle, et on terminera avec les petits messages des anges gardiens. Voilà, les petits messages de nos anges gardiens. Et avant de commencer, n'est-ce pas, 23 septembre, merci. Ah, j'adore ce mot, merci. À chaque fois qu'un rayon de soleil perce à travers la grisaille d'une journée d'automne, regardez le ciel et dites merci. Oh, que c'est beau. Oui, parce que bon, nous sommes en automne depuis 2 jours. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le druide, le secret, le druide. Quelle est la signification du druide? Eh bien, le druide est un intermédiaire entre les mondes matériels et spirituels. Il représente, n'est-ce pas, la sagesse et la recherche de la vérité profonde, et ils sont des guides qui utilisent leur connaissance des énergies, eh bien, pour tout simplement apporter guidance et à leur communauté. Eh bien, cette présence du druide indique, pour certains d'entre vous, que des secrets ou des vérités enfouies vont être révélés. Vous avez peut-être, même vous, hein, peut-être occulté une vérité, un secret. Eh bien, cela, il va avoir un déclencheur qui va faire que ça va refaire surface et que vous allez dire des vérités. Et ces vérités, eh bien, ça sera salutaire pour vous, vraiment. Parce que vous avez tellement occulté ça, que mettre ces secrets en lumière, les dire, ça va vous soulager. Maintenant, il peut y avoir des vérités, d'autres personnes qui seront révélées. En fait, c'est un pont entre les mondes, vous rappelant que vous avez le pouvoir de manifester des transformations positives dans votre réalité. Cette carte vous guidera
vers la co-création consciente avec les forces universelles pour, eh bien, tout simplement manifester vos intentions et réaliser votre potentiel. On dit toujours qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Ok, je suis d'accord avec ça, mais il y a des vérités, il y a une façon de dire les vérités. Donc à partir du moment où on met de la gentillesse, de la bienveillance dans les vérités que nous voulons dire, alors je ne suis plus d'accord que les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a une façon de dire les choses. Donc pour vous, pour votre bien-être intérieur, vous avez besoin de dire certaines choses que vous avez occultées et que maintenant, bien, cet élément déclencheur fait que là, ça vient en lumière, vous devez les dire. Mais encore une fois, ce n'est pas taper sur la table, n'est-ce pas, et dire platement, mettez de l'intensité, mais ne soyez pas dur, dites les choses, mais toujours dans la gentillesse et la bienveillance. Ça, c'est important. Avez-vous posé votre question? Si vous n'avez pas posé votre question, je vous laisse quelques instants pour la poser. Bien. Eh bien, la réponse à votre question, elle est oui. Malgré les difficultés qui peuvent se présenter, eh bien, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. Donc, c'est peut-être pas la bonne voie que vous avez prise. Mais vous allez parvenir à surmonter les obstacles. Peut-être que cette vérité que vous avez enfouie en vous, eh bien, c'est peut-être ça que vous allez surmonter les obstacles parce que vous avez dit ces vérités. Alors pour cette guidance, n'est-ce pas, on vous invite à devenir acteur de votre vie. C'est tellement important. Soyez acteur de votre vie et pas les autres. Alors, être acteur de votre vie en, par exemple, identifiant vos passions. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quels sont vos talents? Quelles sont vos aspirations? C'est ça, devenir acteur de sa vie. Ainsi, eh bien, on vous invite à travailler, à concrétiser votre vie et ne pas la subir et contribuer au bien-être de vos proches. On vous invite aussi à être ouvert, à recevoir des messages, à observer les signes et les synchronicités qui se manifestent et qui se manifesteront bientôt dans votre vie. Eh bien, voilà la guidance de ce druide, le secret, magnifique, hein, magnifique carte qui est positive, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une carte qui est très positive, et je termine avec le message des anges gardiens, et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé changement positif. Eh bien, voilà, changement, il va y avoir un changement par, eh bien, ce secret qui sera mis à jour, et c'est un changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle et pourtant. Ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement.
Wow, magnifique message des anges gardiens. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.